Hey les amis, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce septième et peut-être dernier épisode. Non, parce qu'il y aura le tout dernier épisode qui servira à montrer le bâtiment dans toute son intégralité. Mais là, on se retrouve pour un des derniers, je pense, épisodes de construction, car il ne nous reste que cette grande partie-là à faire, et ce sera essentiellement cette partie-là qui sera à répéter 4 fois, donc on va faire que cette partie-là ensemble, ainsi que cette roue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à finir aujourd'hui? Les turbines. Alors, je vous rappelle qu'en dessous, nous avons les réacteurs qui sont ici. Les pseudo-réacteurs qui sont là. Oui, alors j'ai mis les graphismes en fast pour que ce soit plus rapide pour jouer. Parce que mon ordinateur commence à fatiguer. Là, toutes les séquences, je les enregistre d'un seul coup, faut le savoir. Et avec la potion de vision nocturne, c'est vraiment très très moche, hein. Je vous l'accorde. Alors, aujourd'hui, on va faire les turbines du réacteur qui est ici en dessous. Mais ce sera essentiellement de la déco, hein. Donc je commence à réfléchir à un petit pattern avec la laine, et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Alors, là, j'ai fait un petit pattern rapidement. En fait, il faut imaginer deux tonneaux qui viennent s'imbriquer l'un dans l'autre, en fait. De toute façon, il n'y a aucune logique dans cette map, je le rappelle, mais il faut imaginer de l'air qui provient de là, qui est aspiré, en fait, par ces turbines qui vont ensuite être ingérées par le moteur en bas. C'est-à-dire que ce sont en fait deux gros tonneaux, ouais, imbriqués l'un dans l'autre, et ça s'arrête là en fait, hein. Parce que de toute façon, je n'ai ni le temps ni la patience de faire quelque chose de très détaillé là. Maintenant, faut que j'attaque le plus gros. En fait, le truc vraiment intéressant, c'est que la map, c'est dans son ensemble. Enfin, qu'elle est intéressante, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, les turbines en haut, je pourrais mettre plein de détails si j'avais le temps, si j'avais vraiment l'envie. Mais là, j'ai pas le temps. En fait, pour tout vous dire, j'ai commencé le projet vraiment. Enfin, j'ai tout fait là, les 4 derniers épisodes que vous venez de voir, quasiment les 3-4 derniers épisodes, c'est je fais tout la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que là, en fait, il est 3h du matin, j'ai la crève et je suis en train de le faire en totale improvisation. Donc, ah, mais j'avais faux là en plus. Ok. Bref, vous m'avez compris. Je commence à mettre ça avec du bois un petit peu. Je vois ce que ça donne et on se retrouve dans quelques instants. Et je vais essayer de mettre de l'eau à l'intérieur pour faire des turbines d'eau. Voilà, tout de suite. Ah, alors la salle des machines. Hop là, la voilà en fait. Regardez, secteur de contrôle turbine 1. Enfin, j'ai tout fait d'un coup, hein, pour vous éviter les petits détails. Enfin voilà quoi. Donc secteur de contrôle turbine 1. En fait, je me suis pas embêté, j'ai juste copié-collé à chaque fois. J'ai modifié un ou deux petits trucs aussi, hein, comme d'habitude. Mais là, le temps joue vraiment contre moi et voilà, donc ça remplit quand même la pièce. Parce qu'il y aura la roue quand même avec le petit système sur les côtés, boum, boum avec les crochets. Avec les rouages sur le côté. Donc ça remplit quand même pas mal la pièce, il y a quand même du vide. Bon, je pourrais faire des décors ici, sur les côtés, mais le problème c'est que c'est que de la frivoliture et je n'ai vraiment pas le temps. Malheureusement, peut-être que ultérieurement j'améliorerai la map. Alors voilà, il y a quand même tout ce qu'il faut, une petite souris, un petit ordinateur. Bon, j'ai mis la souris à gauche parce que je suis gaucher, par réflexe, hein, voilà. Secteur de contrôle turbine 3 avec des trucs qui servent à rien. Lampe de redstone, je crois qu'on a droit, je crois que c'est un petit peu un dérivé du bois, un peu comme la torche. Bon, je pense pas qu'il me tiendra compte de ça, sinon c'est vraiment un bâtard. Non, non, mais c'en est pas un, hein. Donc tout va bien. Et là, donc petit ordinateur portable avec écran plat, hein, je vous rappelle l'astuce extrêmement simple pour ça. Oups, alors attendez. Vous posez une plaque de pression en bois ou en pierre c'est l'idéal. Vous posez une pancarte, allez hop, on va mettre. On va faire Macintosh, boum. Et vous revenez devant, enfin vous la posez en slick, hein, la pancarte, n'oubliez pas. Et après vous prenez un tableau, clic droit directement, shift, clic droit sur la pancarte et boum, ça vous fait un petit ordinateur. Super sympa! Je baisse le son. Encore une fois. Voilà. Et bah écoutez, il nous reste plus que ça à faire et on aura terminé en fait, hein. Ça a l'air assez hallucinant. En haut, je ferai rien, je vais laisser ouvert, je vais pas avoir le temps. Donc, assez hallucinant. Je suis très content. Je peux casser ça avec vous. Je pense que là, c'est plus très important. Voilà. Ça me permet de nous rendre compte un petit peu de ce qu'il nous reste à faire.
Nous a juste la roue. Et on aura terminé, on pourra envoyer cette map à des froids, enfin juste que je fasse le point de spawn. Les vaches et tout, elles sont toutes barrées, hein. Ils sont tous tombés dans l'eau. Ah, ça c'est un problème. Et là-bas, il y a un poulpe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il fout là, le poulpe? Et il est mort. Ah là 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 là. Mais le cochon encore. Je trouverai un système pour les empêcher de tomber. Mais écoutez, je commence un petit pattern de roue et puis je vous retrouve tout de suite. Et bah dis donc, ça y est, c'est terminé. Hop, time 7-0 parce qu'il y en a marre. Voilà. Alors une roue à eau, d'un moulin à eau extrêmement sobre. Hein. Nous sommes tout assez sobres. J'ai pas trop voulu m'embêter. Elle est quand même très massive. Vous voyez, on peut le voir. Elle a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 7 blocs d'épaisseur. Et avec vous, devant vos yeux ébahis, je vais mettre l'eau. Donc on va baptiser un petit peu ce superbe moulin. Si ça veut bien. Ouais, attendez, on peut encore se permettre de mettre quelques blocs. Ouais, je pense que là. On est bien. Bah du coup l'eau elle vient d'on ne sait. On ne sait pas d'où vient l'eau. Mais je pense qu'à moins que ça fasse assez joli. Ah bah nickel. On peut retirer les derniers éléments de. Ouais. De laine. Excusez-moi, je trouvais plus les mots. Normalement ça fait bien 2 colonnes ici. Ah c'est sympa. Nice. Bah, je suis content. Bon après ici c'est pas beau. Hein. C'est clair. Donc je me dis, est-ce que je recouvre pas un peu là? Est-ce que je recouvre pas? Écoutez, je verrai. En tout cas, on a fini avec cet épisode. En fait, on a fini avec tout. Je pense que le dernier épisode servira juste à écrire le mot pour d'effroi. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes le 1er octobre. Il est 4h30 du matin. Et en tout cas, ça y est, c'est terminé. Donc on verra bien. Si je perds, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'aurai participé et je serai bien content. Je pense que je vous mettrai la map dans la description. Enfin, pour l'instant, c'est pas tout à fait terminé. Je vais procéder à quelques petites modifications. De mon côté. Et on se retrouvera pour un tout dernier épisode, comme je le disais, pour écrire à ce cher d'effroi le petit scénario de rien du tout qui va avec ça. Ah bah du coup j'ai pas fait les roues là et là. Bon, c'est pas grave, je les fais pas. Voilà, franchement je pense qu'on s'en sort quand même plutôt bien. Et je vais en profiter pour remettre après à l'intérieur de la lumière ici. Et également pour casser ça. Ah là voilà, parce qu'on en a plus besoin. Méchant. Et bah, écoutez les amis, sur ce je vous laisse. J'espère que ce bâtiment vous plaît. Vous pourrez peut-être jouer dessus prochainement si ça vous dit. Faut juste que je définisse le checkpoint. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !